Ouverture du vlog, nous sommes lundi 1er mai. On est parti se balader, on peut prendre l'air. Et là il se met à pleuvoir alors qu'on voulait se poser. Il y a comme une petite guinguette qui viendrait ouvrir et c'est sympa. La guinguette. Alors je pense que je serai obligée de couper parce qu'il y a de la musique. Ah, la musique a coupé, c'est bon. Et l'été ils font soirée, des concerts. Quand il fait chaud et tout, c'est franchement très sympa. Ils ont aménagé un truc cool, hein. Bon, je recoupe. Alors, tes impressions? Très bien. Ton cocktail pour la reprise, pour la reprise demain? Ah merde. Eh ouais. Bon, les cours demain. J'aime bien les trucs atypiques. Et il se remet à pleuvoir, donc bon. En revenant, on s'est arrêté à la boulangerie pour prendre du pain pour demain matin. Il n'y en avait plus d'ailleurs. Ils avaient ça. Des petits macarons, j'en ai pris deux. Coco. Je sais pas ce que ça vaut. Eric, ça fait bien plaisir là. Pain au chocolat, s'il te plaît. Aux amandes. On va le goûter? Non, je vais pas goûter. Ah bon? Pourquoi? Bon, bébé, je te dis que je goûtais plus. Ah, pourquoi t'as pris ça? Pour le manger. Bah quand? Bah je sais pas, quand je vais demain matin ou... Ah bon? Oui. Bon, bah évidemment, c'est très sucré. Hein. Je sais pas ce que j'imaginais. C'est en deux couches. La couche au-dessus, c'est la coco. Je rêve de tomber sur des gâteaux, genre de choses qui soient peu sucrées. Même parfois, j'ai eu justement des enseignes qui te disaient, alors nous, on pâtisse avec soit moins de sucre, soit pas de sucre du tout. Donc j'étais trop contente, je goûte, mais je trouve ça encore trop sucré. Et tout ce qui est édulcorant, bah, j'aime pas du tout. Mais c'est très rare. Franchement, si vous connaissez des enseignes, enfin des marques qui ont des petites gourmandises comme ça, très très peu sucrées, je suis très intéressée. Maintenant, le sucre met cœur de fou. Hein. Je veux pas gâcher. Voilà, ça perd du plaisir. Alors, mais oui, bien sûr, je vous en ai bien parlé dans le vlog prochain, dernier, c'est un peu mieux. Par exemple, ce matin, j'ai pu faire, je vous ai dit, c'est le 1er mai, j'ai pu faire une grasse mat. Ça faisait hyper longtemps. Enfin, quand je dis grasse mat, c'est 8h30, mais c'est déjà vachement mieux. Alors, j'ai eu pas mal de personnes qui me parlent de leur expérience. Vous me parlez de vos expériences, vous avez pas mal de chats, donc ça me fait super plaisir. Après, ce qu'il faut savoir, parce que beaucoup de personnes me disent « Oui, moi je donne 120 grammes ou 150 grammes, parce que moi je dis que je donne entre 50 et 70 grammes. » Ce qui est exactement les quantités nécessaires quand tu donnes des croquettes, donc la nourriture solide. Là, tout ce qui est 120, 150, c'est si tu donnes de la nourriture liquide, pâtée. Mais en fait, j'avais déjà vu un vétérinaire, les croquettes, c'est vraiment très bien. C'est-à-dire qu'il y a tous les nutriments nécessaires pour un chat. Le tout, c'est que là, dans cette nouvelle démarche qu'on a avec ce distributeur, c'est qu'il ne m'associe plus du tout à la dame qui donne les croquettes. C'est-à-dire que dès qu'il me voit, il miaulait en disant « j'ai faim, je sors, je rentre de la maison, il miaulait ». Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un net mieux et ça fait que 5 jours, ouais, à peu près. Donc, je ne désespère pas. Oui, ça reste un chat glouton, mais il mange vraiment les quantités nécessaires. Au-delà, c'est-à-dire si je passe à 80-90 grammes de croquettes, ce n'est pas bon du tout. Par contre, t'as rien à faire là. Allez, descends bébé. Ici. Voilà, tu vois. Là, on est bien tous les deux. T'as quelque chose à dire? Tu veux qu'on discute tous les deux? On est rentré, on est parti pendant à peu près une bonne heure et demie. Et normalement, il aurait dû se mettre à miauler, réclamer. Là, ça fait quoi? Ça fait bien 20-25 minutes qu'on est rentré. Pas du tout, pas une seule fois. La mourure de sa mère. Ça ronronne, ça. Coucou, nous sommes le lendemain. Je pensais à un truc qu'il fallait que je vous montre. Au début, je pensais pas vous montrer, mais vous savez, quand je suis partie au sable et que j'ai oublié tout mon nécessaire et que je suis passée à Tefo et que je me suis repris des petites choses, et bien sur les petites choses que je me suis reprise, il y a des petites nouveautés et des trucs vraiment cool. Donc je teste que depuis 5 jours. Mais vraiment, je vous montre rapidement. Ça vaut le coup. Attendez. Hop, on va enlever ça. J'étais en train de bosser sur forcément la box, les bordereaux, tout ça. Alors, j'ai acheté un nouveau mascara. C'est d'ailleurs une nouveauté. Fenty Beauty Volumateur. En général, je ne prends pas
les mascaras volumateurs parce que je trouve que ça fait pâté. Et là, pas du tout. Il est vraiment bien. Voilà comment il est. La brosse. Ah oui, doudou. Alors, c'est pas par rapport à la bouffe. Là, il fait... C'est quand il voit un oiseau. C'est l'oiseau qui le provoque. Bah oui. Tu veux faire quoi, cet oiseau? Voilà. J'ai ouvert la fenêtre. Ah, il est parti. Non, ah, ben là, il est là. C'est lui, là. Vous le voyez sur la cheminée, l'oiseau. Il narde mon Jackie. Puis après, voilà, il est tout fou. Ensuite, j'ai pris un petit eyeliner dans version voyage. Déjà parce que celui que j'ai, il est nul. Il fonctionne pas, il sèche hyper vite. Donc je me suis dit, et ça coûte cher même en miniature. Donc j'ai pris ça. Il me semble que je l'avais déjà testé. C'est le Roller Liner de chez Benefit. Et bah écoutez, j'en suis très contente. Oui, vraiment. Je suis difficile moi avec les liners. Voilà, petit format, comme ça. Il est précis, il est agréable. Après, voilà, 5 jours, donc au niveau du côté séchant et tout, je sais pas trop. J'ai repris, mais ça, j'ai pas testé, c'est que j'en voulais un parce que j'ai perdu mon beauty. Donc, j'ai repris un beauty blender. Il y avait plein de couleurs sympas, donc j'ai pris celui-ci. En même temps, quand tu vois la vitesse à laquelle ça se salit, il est tout mignon. Et j'ai repris, pareil, une nouveauté que je porte. Je voulais un nouveau fond de teint poudre. Donc, il fait les deux. Et c'est une nouveauté Make Up Forever. C'est le HD Skin Matte Velvet. Pareil, les mattes en général, ça a tendance à rentrer dans les ridules, enfin à sécher. Écoutez, je le trouve pas mal. Hein. C'est dans un petit boîtier comme ça. Alors, vu que ça fait 5 jours que j'utilise, il est déjà au niveau de l'éponge, il est déjà un peu abîmé. Mais voilà la couleur. J'ai pris la teinte 1Y08. Et donc, je le porte. Voilà. Vraiment bien. Donc ça, c'est les 4 choses que j'ai prises. Et le reste, bah, il m'avait offert des échantillons crème de jour, crème de nuit, machin. Qu'est-ce qu'il m'avait... Enfin, plein de petits échantillons, même un pinceau. Enfin, elle avait été trop cool, la nana. D'autant plus que je la connaissais pas. Enfin, je suis pas cliente au Save d'Olonne. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Voilà. Donc ça, si vous voulez tester des nouveautés, vraiment, c'est pas mal du tout. Eric a repris les cours ce matin, mais enfin... En mode tranquille quand même, hein, parce qu'il a une heure de cours. Il commence à 9h et finit à 10h. C'est pas mal. Et demain, je crois qu'il a qu'une heure. Enfin bon, bref, c'est une petite reprise, quoi. Là, je suis en train d'appeler donc les marques, comme je fais très souvent. Et je suis en train de faire également chercher le flyer qui sera pour la box de mai qui est actuellement donc en commande. Je l'ai dit, j'ai fait un petit post hier sur Insta, une photo et tout. Les box qui arrivent et notamment la box qui est celle de mai qui pourra être un très beau cadeau également pour la fête des mères vu que c'est début juin. Elle va être trop bien, trop bien comme box. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Tu me respectes pas, hein ? Tu me respectes pas, hein ? Non, je sais, je suis en train de bosser, il rentre. Et il est 10h30, il est revenu. Il dit, viens avec moi. Je lui dis, je serais vraiment dans un bureau. Tu crois que je pourrais sortir, partir du taf? Mais t'es pas dans un bureau, là. Oui, mais t'as vu que j'étais en communication. Mais ouais, je serais dans un bureau, tu crois que je serais là à 10h30? C'est moi aussi, je peux le faire. Bon, à 5 minutes, qu'est-ce que tu veux aller? Tu veux aller où? Faire quoi? J'ai acheté des boissons. Et tu peux pas le faire tout seul? Si, mais je préfère être avec toi. Mais je bosse, tu vois, tu respectes pas. Ce que je comprends pas, c'est qu'il faut que tu sortes. Mais je suis depuis ce matin en train de faire des mails, je suis en communication non-stop, toi t'arrives en mode tu viens. C'est bon parce que t'as une caméra qui arrive. Bah c'est vrai, bah si. Comment tu fais adulte toi? Tu peux y rester à ta place un petit peu. C'est vrai ou pas? Et t'as pas un truc à déposer à la banque? Oui bah là non mais... Pourquoi non? Moi tu sais quoi, la porte de mon bureau, je vais mettre un clou, une vis et interdiction de rentrer. Il est déjà 11h30, on est passé dépanner ma maman. Un petit problème de télé. Fait beau. Bon bah finalement, on va pique-niquer. On s'est pris des sandwichs. Regardez comme c'est beau, c'est paisible. On est bien là. Oui. Et après, j'ai du taf. Hein. Oui. On s'est bien fait plaisir là, petit sandwich, tarte. Ah c'est cool. C'est bien de faire un petit break comme ça. Là. Non mais c'est une blague. De quoi? Bah c'est pour éviter de tâcher mon t-shirt. Et tu as quel âge? Regardez les petits desserts. Elle m'a appelé la tartelette à la framboise. Waouh, c'est un petit flan. Bonheur. Nous voilà. Nous sommes le lendemain, mercredi. Il y a des jours où tu essaies, hein. T'as beau essayer de te coiffer.
Mais non, ça ne veut pas. Plusieurs petites choses. Déjà, je me suis rendu compte que j'avais oublié quand je vous ai montré ce que j'ai pris chez Sephora. Un des articles parce que je l'avais mis dans mon sac à main. Et également, je suis passée chez Rituals. Et j'ai pris deux petites choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, chez Sephora, c'est pas une nouveauté. Je connaissais. C'est un 2-en-1, c'est Benefit. Gogo Teint. Moi, j'ai pris celui-ci. Donc, en fait, il va venir faire blush et aussi rouge à lèvres. On va dire rehaussement de couleur. Il y a plusieurs teintes possibles. Voilà. Oh, non, mais... J'ai juste descendu l'escalier. Et je vais l'essayer pour que vous vous rendiez compte. Franchement, j'aime bien. C'est très pratique. Et notamment, dans mon cas, comme j'avais tout oublié, j'ai pris un petit miroir parce que... Ah ouais, non, ça va pas ma coiffure. Bah tu vois, même Jack il confirme. J'en mets une, j'en mets deux. Attention. Hop. Faut pas traîner hein, par contre. C'est ouf. Hop 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 hop. Vous allez voir, bah. Ah ouais, la vache. On va faire l'autre côté. Et après, je vous montre sur les lèvres. Juste un petit peu là, il fait coup de soleil vite fait. Ça fait intense à la caméra alors que c'est pas autant, je crois. Et donc sur les lèvres. Ah, quand même. Hein. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé chez Sephora. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé chez Sephora. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé chez Sephora. Chez Rituals, bon, j'ai craqué sur ce petit parfum. Déjà parce qu'il est, elle m'a dit, il me semble, sans parfum. Donc pour l'été, c'est top. C'est une eau de parfum. Regardez le design du flacon. J'ai trouvé très, très mimi. C'est la nouvelle collection. Par contre, il n'y a pas... Il n'y a pas le nom. Qualité, si. Non, il n'y a pas le nom. Quoi, cette... Voilà. Petit flacon pompe. C'est... Je voulais pas quelque chose de capiteux, parce que je n'aime pas. C'est très bien. Vraiment, c'est un petit parfum. Tu mets ça pareil dans ton sac à main. Après, tu le mets en déco. C'est super mignon. Et j'ai pris... Alors là, je suis un petit peu plus déçue. Pourquoi? Parce qu'il y avait ça au présent, sur le présentoir. Ce sont des baumes. Un baume hydratant. Ce qui m'a plu, c'est que... elle m'a dit que c'était genre 100% clean. Moi, c'est vraiment chiant pour mettre sur les lèvres, parce que tu le manges un petit peu. Et souvent, il y a des trucs... un peu chelou, et là pas du tout, apparemment c'est hyper naturel, c'est le top. Et il y avait plusieurs teintes. Il y avait nude, que j'aurais dû prendre, un rouge intense, genre marronné, et un rose tendre. Donc j'ai dit, tiens, moi qui porte du rose tendre, allons-y. Regardez quand même le flaconnage. Je sais pas si on dit flaconnage. L'étui, allez. L'étui. Hop, il suffit juste d'appuyer, comme ça. Donc ça m'a vraiment séduit. Et quand elle l'a essayé, voilà la teinte, donc je trouvais ça top. Quand elle l'a essayé, donc elle l'a mis comme ça, ça faisait vraiment un rose que j'appréciais. Et quand je le mets sur mes lèvres, et ça fait hyper rose. Là, du coup, je ne peux pas le mettre. Ça fait très rose, trop rose pour moi. Et c'est bien dommage. Donc, à l'occasion, si j'y retourne, parce que le concept me plaît, le côté clean et tout, en plus, dedans, il y a quand même du beurre d'aloe vera. Il y a pas mal de choses très, très chouettes. Donc, c'est vraiment le baume. Mais, voilà. Un peu déçu, mais franchement, la prochaine fois, je prends le nudes carrément, quoi. C'est tout. Ouais, c'est tout pour mes trois petites choses que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, vu que ça va être c'est le jour de publication, nous sommes mercredi, j'essaie de m'y tenir. Je vais avoir le montage de ce vlog. Mais j'ai surtout, parce que j'ai pris du retard, il faut que je fasse... tous les visuels, toutes les photos de la box précédente. J'aurais déjà dû tout publier, donc je vais faire ça aujourd'hui. Chaque élément, après il faut que je le mette sur le site. Ça, c'est tous les mois à faire. Et ça prend pas mal de temps. J'ai également des rendez-vous clients. Bref, grosse journée. Là, il est 9h43, donc ça va être cool. Je vais arrêter maintenant ce petit vlog. Et si tout fonctionne bien, on se retrouve dimanche pour la suite. J'aime bien ce rythme. Il y a moins de pression de se dire faut filmer à fond sur une journée. Enfin... je trouve ça effectivement plus cool. Et quand tu fais sur une semaine, ça doit être encore plus cool. Mais comme je vous ai dit, moi, ça me gênerait de publier qu'une vidéo semaine. Je pense qu'il y aurait un manque quand même. Donc, dites-moi, profitez-en pour me dire si le fait de faire deux vlogs semaine, ça vous va.
ou vous aimeriez un petit peu plus. Bref, un peu plus, ça risque d'être compliqué. Quoi. Voilà, bah, je vous fais un gros bisou et puis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite. Vous avez vu, Jack? Franchement, enfin je dis ça, 6h50, il me braillait encore à l'oreille ce matin. Mais c'est beaucoup mieux. Sur l'étendue d'une journée, je pense qu'il est en train de se calibrer. Et ça, c'est cool. Voilà, bisous, à bientôt. Ciao.